Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 14 consacré à Spyro Aerostel sur GameCube. On a déjà commencé avec les ruines englouties dans l'épisode précédent. Et voilà, on va continuer. Tout ce qui est plus simple. Et s'il le faut, on terminera aussi dans cet épisode. Parce qu'on a quand même fait un gros bout, je trouve. Ça s'appelle être à un niveau très étendu. Il se prend une fois non plus, mais bon. Alors. Voyons voir si je peux planer jusque là. Oh putain, j'ai réussi. Génial. Ah, ça va pas le faire. Donne-moi la richesse. Alors, voyons voir si maintenant j'y arrive. Ok, ça c'est bon. Et ça, en revanche, ça n'a pas l'air d'être bon. Ça doit être simple, je trouve. C'est juste que je me débrouille mal. Cette forme-là est facile à atteindre, mais par contre, je ne peux pas faire ça non plus. Il y a vraiment un truc. Je suis juste très sous-estimé par ce jeu. Allez, hop. Et toujours pas. Non, il y a vraiment un truc. On va essayer plutôt de cette manière-là. Peut-être que j'ai une meilleure physique comme ça. Ben là, j'ai même pas amorcé le processus de planage. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà voir ce truc-là. Feu d'artifice. Alors dans ce cas, je me sens un peu paumé. Alors j'ai un truc d'invincibilité, bon, on va plonger là-dedans. De retour dans le lag. Ah tiens, mais ce serait S, une gemme lumineuse et des pierres aussi. Plus que deux pour avoir 40. Je sais, je suis fort en maths. Alors, on peut pas aller plus loin. Et en plus, je sens que je vais me prendre... Non, 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 pas sous l'eau, non! Ok. Bon, déjà, ça mène quelque part. Alors... J'aurais voulu que je suis revenu jusque-là. Je sens que je vais commettre un meurtre, moi. Si vous n'avez pas encore vu de ma volée, vous ne le verrez pas, mais... Disons que je vais pas le faire ici. Je vais attendre d'être vraiment vénère pour le faire. J'ai du self-control. Je vous jure. Vous n'avez pas encore vu super énervé. Regardez, je suis déjà arrivé. Est-ce que ça vaut la peine de s'énerver? Non. Soyons raisonnables. Ok. Donc. Si j'utilise ma magie de super dragon, normalement je devrais être capable de... Ah non, ça c'est raté. On se pomme un petit peu dans ce niveau, je trouve. Je n'aimerais pas rester au même endroit pendant 20 minutes. Ok, ça c'est bon, ça c'est fait. J'essaie d'aller... Non. Je suis pas un super dragon. Allez... Eh non.
cette plateforme a été placée là exprès. C'est quoi ce carré totalement bizarre sur le mur? C'est quoi ce trou super bizarre sur le mur? Un mystère totalement non résolu ici. Bon, maintenant comment je dégage de là? C'est vrai, je suis un peu trop là, je trouve. Un peu trop présent en cette pièce. Je devrais déjà être parti depuis longtemps. Oui, pourquoi ne l'ai-je pas vu depuis le début? Sauve-nous du lag. Je suis revenu dans la même pièce ou quoi? J'ai pas dû prendre la bonne direction. Ah non, les roches partent par là. Je suis donc allé dans une pièce jumelle. En même temps, pourquoi je dis ça? Les roches ne sont pas du tout pareilles. Mais ils m'ont bien eu. Non, mais sérieusement. Ah là, il y a des barres. Je crois que je comprends maintenant. Il faudra que je débloque les autres trucs à partir d'ici. Ok. Je vais m'assurer de... J'ai bien avoir eu tous les joueurs de Paris. Ce n'est pas une statistique du jeu, mais... Être riche, c'est important dans la vie. J'ai eu des œufs de toutes sortes. Sauf de la première sorte, je n'en ai qu'un seul. Alors, où étaient mes barres déjà? Ah, ici. On va voir si j'ai bien tout appris depuis les ruines de Dragonfly. Ou alors même depuis le marais de Crocoville, j'y vais. Voilà! Je commence à comprendre maintenant. Et là, je peux rien faire. C'est-à-dire qu'il va falloir que je plonge, et que je replonge, et que je replonge encore, et encore, et encore, et encore. Donc je dois repasser de l'autre côté pour aller sur les barres. Et je suppose que les barres qui se trouvent ici, je dois les débloquer depuis l'autre côté. Je commence à comprendre maintenant. Ils savent que je n'aime pas revenir au même endroit tout le temps, donc ils le font exprès dans ce niveau. Juste pour me faire chier moi. Ah, ça c'est méprisable. Ils le savent, ils ont fait ce jeu exprès pour moi. Ok. Donc les barres sont là, et elles ne bougent pas comme dans la cinématique. C'est tant mieux, je dirais. Allez. Bon, on appuie sur le bouton pour replonger à nouveau. Génial. Alors, je suppose que je ne peux plus rien faire par ici. Eh ben, on replonge à nouveau. Oh là là. Qu'est-ce que c'est chiant. En plus, ça aurait pas été aussi chiant s'il n'y avait pas eu le lag. Le lag et le flou. Ok, ça c'était déjà débloqué, et la nouveauté c'est ça. Il faudrait qu'il évite de friser quand même, ça me fait peur. J'aime le mouvement sombre. Oh là là, c'est drôle que je fais une erreur pareille. Je parle trop vite. Allez! Il y a plus rien à casser ici? Non. Alors voilà où c'est censé être. De la money! Et ça, ça doit être une gemme lumineuse.
Allez. Mais je vous ai dit que c'était une gemme lumineuse. Allez, donnez-moi la manie. Me voilà richissime. Ok, pourquoi je pars par là? Allez, on remonte. Sans faire n'importe quoi. Serait-il possible que j'ai sauté de manière totalement stupide et que je devrais à nouveau me refaire le plongeon? J'ai pas besoin d'entendre des voix dans ma tête pour me dire que j'ai fait une connerie. Juste pourquoi je pars par là? Encore. Les statues, c'était dans l'autre partie. Ok, si je perds du temps comme ça, je vais finir par mourir sous l'eau. Et voilà. On est enfin libre. Aïe! Connard! Ah lui, lui ça ne lui fait absolument rien les... Et des ennemis comme ça qui n'aiment pas ton souffle. Mais c'est dingue, il est partout lui. Regardez mes belles marchandises. Wow, je fasse gaffe. Alors. Voyons voir. La sortie a l'air d'être derrière cette statue brisée. Un peu comme tout à l'heure. Donc je suppose qu'il va falloir activer des choses. Non, pas avec ça. Avec ça. Ok. Par où je vais? Je vais d'abord essayer par là. Non! Non! Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Le bug pas. Ok. Ça m'avance bien, ça. Allez! Voilà, ça c'est mieux. Cette fois, je vais aller par là. On monte un tout petit peu plus. Allez, donne-moi mon cadeau. Plus de money. Aussi je sens ça aller sûrement par là, mais c'est pas possible. Oh là là, encore il y a une énigme. J'ai un esprit qui s'apprête plutôt à la réflexion, mais pour l'heure je dirais que c'est pas vraiment le moment de me titiller. Arrête de friser tout le temps. Alors ça c'est des barres pour se balancer. Ok. Pourquoi je peux pas les atteindre aussi? Mystère. Alors, qu'est-ce
Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Il y a un truc derrière, ça se voit. Et pour l'heure... Ah tiens, il y a un machin là-haut. J'active quoi. Oh, mais c'est intéressant ça. Allez. Non, non, non. Je vous jure, j'ai trébuché. Voyons voir. Génial. Alors voyons voir. Plus qu'une gemme lumineuse. Ok, ça remonte un tout petit peu. Ensuite, par où je vais? Normalement, si j'active ces trois machins, ça devrait aller. Pourquoi il ne se passe rien? Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a un truc que j'ai oublié. C'est pas possible. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Oh là. Mais décidément, je commence vraiment à me perdre ici. Cette gemme sombre en plein milieu qui doit cacher quelque chose. Ça j'ai déjà appuyé. Oh là là. Vraiment oublier quelque chose. C'est pas possible de rester coincé autant de temps au même endroit. Ouais, surtout ne me lâche pas quoi. Ah. Bon. Voyons voir. Oh, j'ai compris! C'était tout bête. C'était vraiment tout bête. Et moi, je suis passé à côté de ça. Oh là là. Comment je peux être aussi stupide? Il ne me reste plus qu'à casser ça sans vraiment me fracasser. Et voilà. Mon ticket de sortie. Sans tomber là-dedans de préférence. Allez. On y est presque. Si près du but. Thank you.
Il ne touchera pas. Alors. Arrêtez de faire vos chuchotes. Aïe. Voilà, ce souffle de merde, ça. Pas grand chose, je trouve, par ici. Ah oui, c'est l'ascenseur. Partons. Alors, génial. Serait sa dernière gemme lumineuse. Génial! J'en ai enfin 40. Donc il y a deux niveaux dans lesquels je vais bien pouvoir revenir. Mais je vais d'abord affronter la boss, la sirène, avant de revenir dans les autres niveaux. Et là, je suis revenu au tout début du niveau. J'ai fait le tour. Ouais, il me manque encore une gemme et deux œufs. Mais je pense que ça, c'est dû à ce passage que je n'ai pas pu prendre. Regardez mes belles marques. Donc, il faudra encore revenir ici dès que j'aurai la capacité de faire le saut mural. En attendant, on va remonter à la surface et se préparer pour le prochain épisode où on va affronter Ineptune, il me semble. Profitez-vous encore de s'ennuyer avec moi. Oh là là, qu'est-ce que s'ennuyer? Allez, on y est presque. Et encore, on n'est pas loin. Nous revoilà dans les ruines côtières. À la prochaine fois.